Ce dimanche 10 mars, 7 à 8 consacrait son portrait de la semaine à Koé. L'animateur, qui s'apprête à dévoiler son autobiographie, s'est livré sur la disparition de sa mère, morte d'un cancer, lorsqu'il avait 10 ans. La vie de Sébastien Koé a été ponctuée de drames. Le jeudi 14 mars, l'animateur télé et radio dévoilera son autobiographie « T'es habillé comme tout le monde mais tu ressembles à personne ». Un ouvrage publié aux éditions Robert Laffont et dans lequel il revient sur les douloureuses épreuves qui ont marqué son enfance, à commencer par la mort de ses parents. Koé avait 8 ans lorsqu'il a découvert que sa maman, secrétaire de direction à la sucrerie de Merle dans les Hauts-de-Seine, était atteinte d'un cancer du sein. On est au début des années 80, donc on ne dépiste pas encore très bien. Il était déjà trop tard, a déclaré Koé dans un entretien accordé à 7 à 8, ce dimanche 10 mars. C'est difficile quand vous avez votre maman qui sombre de jour en jour. C'est le processus qui va avec la maladie, les perruques, le lit médicalisé à la maison, le soutien-gorge à prothèse. C'est finalement à l'âge de 10 ans que Koé apprend le pire. Un événement dont l'animateur vedette de NRJ se souvient dans les moindres détails. Il faut dire que le décès de sa maman lui a été annoncé de façon très brutale. C'est une belle journée et je rentre de la piscine. Je vois de l'agitation à la maison. J'attends. Je vois deux personnes qui arrivent dont ma marraine que j'adorais beaucoup et une cousine. Elle me dit, ta maman, tu ne vas pas la voir tout de suite, elle a dû partir quelque temps. Je ne comprends pas très bien. Et là, la deuxième personne me dit, ta maman est morte. Point anéanti, le jeune Sébastien n'imaginait alors pas devoir grandir sans une présence maternelle. Ce n'est pas un mot qu'on a envie d'entendre. On voit ça dans les films. On ne l'imagine pas pour soi. Une perte extrêmement difficile après laquelle Koé a dû affronter le décès de son père, mort d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 20 ans. D'un seul coup, vous vous rendez compte que vous êtes tout seul.